Je suis extrêmement inquiet. Je viens d'apprendre, donc nous sommes lundi 24, c'est ça ? Ouais. Décembre, une date fatidique, que le gouvernement est tombé, israélien, et donc les élections sont prévues pour le 8 ou 9 avril, et nous on attend Machiar pour la même époque, Pessah. Je crois que les CRR aussi, ils voient que Machiar doit arriver, alors ils se dévoilent. Et il est très très fort, et il a réussi à faire tomber le gouvernement. D'accord ? Pourquoi ? Où est le rapport avec ça et Machiar ? Il faut comprendre les choses à leur base. Pourquoi est-ce que nous sommes encore en exil ? On était chassés de cette terre, Chazal disent, parce qu'il y avait des disputes entre différents clans du peuple juif. Et chaque génération où le temple n'est pas reconstruit, c'est-à-dire que les péchés, disent Chazal, que les péchés sont tout autant présents qu'au moment où on a été chassés. Les élections, c'est le dévoilement colossal du SRA dans toute sa splendeur terrible. Les gens oublient tout à ce moment-là. Ils peuvent jeter leur kippa par terre, c'est terminé. On va gagner et on critique. Il y a le clan de ci, le clan de là, et le monde religieux aussi. Et c'est terrible, 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 terrible. C'est même dans des familles, il y en a qui changent entre frères, entre sœurs, entre beaux-frères. Ils changent de trottoir parce que tu es dans le clan de l'autre, je suis dans le clan de l'autre. Terrible. Pour des bêtises. Pour des bêtises. Pour des bêtises. Alors quoi, faut pas voter ? Tu peux voter. Il y en a qui sont contre voter. Rabbi Bachaoul, lui, il votait pas. Il est le plus grand comment on dit de voter. Alors celui qui veut voter, il a un avis sur quel comté. Mais celui qui parle, il a aucun avis sur quel comté. Dans la Halakha, il n'y a aucune autorisation de parler. Tu peux dire je vote X, mais pourquoi tu parles Y ? Tu peux pas dire à quelqu'un vote X parce que Y. Vote X parce que X il est bien. Mais Y aussi il est bien. Tu te tais. Si on fait ça, Machiar viendra. Si on ne fait pas, je suis extrêmement inquiet. Shem Yahazor, que Dieu ait pitié de nous, amen. Ou qu'il y ait peut-être d'autres choses qui vont arriver jusqu'à là, ce qui ne m'étonnerait pas non plus, qui vont faire qu'il n'y aura pas d'élection, et voilà, Machiar viendra, sera sans élection, il viendra, je suis là, pas besoin d'élection, je vais arrêter là. Baruch Adonai, Elohim Amen.